Flash News. Bonjour, bienvenue sur Flash News Emmer's Rex. Cette semaine, on parle de Netflix. Oui, il y a des augmentations qui s'en viennent à peu près au mois de novembre. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a quand même une bonne augmentation par année. Moi, ce que je pense aussi, c'est que Netflix est en train de faire beaucoup de changements à cause que toutes les shows de Disney slash Marvel vont s'en aller dans un an. Et ils vont avoir 50 nouveaux shows de petits bonhommes qui vont être créés pour Netflix, du contenu original, et également 30 nouveaux TV shows qui vont être créés également du contenu original de Netflix. Donc c'est plusieurs milliards de dollars. Fait que j'ai l'impression qu'ils vont réinvestir l'argent qu'on va leur payer là-dedans. Autre sujet à propos de Netflix toujours, c'est il y a plusieurs personnes qui se plaignent qu'ils vont peut-être avoir des taxes au Québec à payer. Là c'est encore indécis, on sait pas encore si ça va se faire ou pas. Probablement que non, mais il y a du monde qui voudrait qu'on en ait à payer pour encourager l'industrie d'ici. Je suis pas ni contre ni pour. J'aime bien que ce soit dématérialisé, que ce soit pas ici, fait qu'on, pour l'instant, on devrait pas payer de taxes. Si jamais on arrivait à en payer, ben, il faudrait qu'on ait des shows québécois sur ça, beaucoup plus que ce qu'il y en a présentement. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère avoir vos commentaires sur Netflix. Attention à vous et partagez!